Pierre Blanc. Donc, je suis multiplicateur de semences de maïs dans le Quercy. Je fais aussi des produits fermiers comme des poulets, du foie gras et quelques piquets en acacia pendant l'hiver. Donc, pour produire mes 30 ou 40 hectares de semences de maïs, j'embauche chaque année 30 ou 40 étudiants ou lycéens. Donc, je génère à peu près 2000 heures de main-d'œuvre par an. Donc, vous vous rendez compte, au niveau français, ce que ça peut faire comme heure pour castrer toutes les semences de maïs françaises, parce qu'il y a 60 000 hectares. Et donc, on est très étonné et déçu que ce gouvernement qui nous avait promis des allègements de charges sociales, en fait, les actes ne correspondent pas au discours, puisqu'en 2019, notre main-d'œuvre coûtera 6% de plus. Donc, des millions d'euros perdus pour la filière, en ces temps difficiles, de prix bas, de météo exécrable, avec des concurrents comme la Hongrie ou la Roumanie qui ont des salaires bien plus bas. Et donc, si on nous charge trop, bien sûr qu'avec du courage, de la ténacité et même de la passion, on se bat, mais on n'y arrivera pas. Et donc, il faut chercher l'erreur entre un gouvernement qui annonce des choses et qui fait le contraire.